Alors, on pourrait penser peut-être qu'effectivement, t'es complice. Alors, je vais te demander de reprendre un nombre de cartes. Pareil, paire. Et du coup, on va choisir deux cartes. Toi et quelqu'un d'autre. Alors, je ne les regarde pas. Encore une fois, même si je les regarde, dans tous les cas, ça ne me dit rien. Mais on ne sait jamais. Bon? C'est... Ça y est? Ah, pardon, excuse-moi. C'est bon? Allez, impeccable. Ben pareil, tu les gardes, éventaillées vers toi, et tu en penses une. Que si t'as envie, j'aurai pas. C'est bon, tu as pensé? Oui. Maintenant, tu passes le jeu à qui tu veux, enfin le petit paquet. Voilà. Et Zibé, puisque bon, j'ai vu que c'était toi, tu en penses une autre. Alors, ça peut être la même, hein, bien sûr, mais bon, si tu peux en penser une deuxième différente, c'est que mieux. C'est bon? Ouais. Et tu mélanges. Donc maintenant, ni moi ni vous, tu sais quelle carte il a choisi? Ah oui. Et toi par contre tu sais? Ah vous l'avez montré, ok, bon, c'est pas grave. Et je vais faire la même chose, d'accord? Vous dites rien quand je les épelle, ne faites pas une petite réaction, je vais juste vous nommer les cartes et vous me dites rien, ok? Vous êtes sûr? 4 de pique, 6 de trèfle, as de trèfle, 8 de cœur, as de carreau, 5 de pique, valet de pique, 10 de trèfle. C'est bon? Est-ce que vous avez entendu passer votre carte? Oui. Ici, et là, il y en avait une, deux, trois. Ah, t'en as pris que 8 ce coup-ci. Ok. Je les sépare bien. Michel, tu as entendu ta carte dans quel paquet? Celui-ci. Zibé, dans quel paquet? Ah, séparé. C'est bien. On va essayer de faire fusionner vos deux cartes. De les échanger de place. Échanger de place? Allez-y, au moment où vous échangez de place, ça va échanger ici. Regardez bien, allez-y. Panier, c'est fait. Et ça marche aussi. Quel était le nom de ta carte? 10 de trèfle. T'es sûr qu'il était là? Au-dessus. Eh bien, comme tu as changé de place avec Zibé, ton 10 de trèfle est venu exactement au même endroit que le tien. Et Zibé? As de carreau. Ça marche. C'est bon, la carte. Bizarre. Ça, c'est pour quoi? Mmh. Pas con.